Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo arc. Bon, faut que je vous le dise, je suis un mince gag. Dans la dernière vidéo, je vous ai pas mis le moment fatidique, le moment le plus important de l'épisode, le moment où je trouve la base du Cunu Justicier. C'est bien pour ça que dans celui-là d'épisode, on va raid le Cunu Justicier. Je vous l'ai pas mis, voilà, c'est... J'ai pas pu, je suis désolé, je vais vous expliquer pourquoi, mais... Bah, c'est vrai qu'il m'est arrivé quelques trucs un peu désagréables, mais faut que je vous le dise, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu mettre la découverte de la base du Cunu Justicier à la fin de l'épisode précédent. Alors tout simplement, je suis allé faire une petite balade en forêt, voilà, tranquillement, pour me détendre. Mais quand je pars de chez moi, je prends mon disque dur externe, voilà. Protection des données, je les prends avec moi. Donc je faisais ma petite balade, tranquillement, je vagabondais dans la forêt, tranquillou bilou, je me baladais à droite, je me baladais à gauche, je découvrais un petit peu des espaces, somme toute, merveilleux, ravissants, j'ai envie de dire. Je continue à me balader. Dans la même forêt. Bon, c'est vrai que le temps avait un petit peu changé, il y avait un petit peu de brume, il faisait nuit presque, mais j'étais tranquille. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un loup qui crie. Alors là, d'un coup, je suis pas bien. En plus, entre nous, on sait que les loups, c'est costaud. Alors là, pire situation, il se ramène devant moi, alors là, je me cague dessus, il se met à me grogner dessus, il me rote de travers, et paf, il me saute dessus. Évidemment, Maruchigri dans la tête, tout va bien, on continue son chemin tranquille. C'est vrai que la nuit commençait à tomber vraiment, mais j'avais envie de découvrir un petit peu cette forêt. Et là, c'est le drame. Je suis chill, une secoupe volante à côté de moi. Alors pareil, je suis pas bien, je me méfie et tout. Je recule un peu, tranquille, je tâte le terrain, je vois les aliens, ils me regardent, on se regarde. Bon, ok, la soucoupe volante repart, et là, il y en a une autre qui arrive. Et elle essaie de m'enlever. Bah ouais, je vous jure, c'est vrai. Vous croyez pas? Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Je pars en courant parce que j'en ai marre. Ouais, il fait de nouveaux jours. Et là, je me rends compte du pire. Le drame absolu. Dans la précipitation, j'ai fait tomber mon disque dur externe. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais je le retrouverai jamais, c'est sûr. Ça s'est exactement passé comme ça. Je suis désolé encore une fois, c'est pas forcément vraiment de ma faute. Ou alors j'ai supprimé le fichier. Bref, bon, bonne vidéo à tous. Kiffez, likez, abonnez-vous. Tous. Moi. Je suis un génie du mal. J'ai construit la machine ultime. Le bateau de la mort. Pour attaquer toutes les bases qui se situent à portée de canons et de balistes et de catapultes. Donc salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arc PVP, l'habillé énervé chasseur du Cunu Justicier. Comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on a découvert la base du Cunu Justicier. Et je pense que cette petite machine devrait aisément venir à bout. Il y a pas mal d'armes, vous voyez. Voilà, il y a des balises, des canons, des vélos nazors pour se protéger. Il y a même un petit para, histoire de détecter s'il y a des ennemis qui s'approchent. Vue aérienne, vous voyez qu'il y a aussi un petit mangeoir. Je vais vous montrer. Un petit coffre ici. Voilà, histoire d'avoir des boulets de rechange. Des trucs pour réparer un peu le bateau, pour réparer les canons. Voilà, on a un peu tout. On a aussi le stuff basique pour raid, quelques flèches explosives et tout ça. Donc c'est parti, on va attaquer l'antre du cul du justicier. Ok, on arrive bientôt sur zone avec l'embarcation de la mort. Ouais, j'aime bien les bateaux. Je sais pas si c'est vraiment le top pour raid, que c'est un peu fragile hein, comme truc quand même. Et aussi, vous voyez que j'ai enlevé quelques trucs parce que ça buguait à mort. En fait, j'arrivais pas à avancer sur l'eau. Je le remettrai quand je serai devant la base. Ben voilà, juste ici. Tout simplement, on va raid la base du Cunu Justicier. Mais bien en face. Paf. Voilà. Là, on est plutôt protégé. En vrai, on risque pas grand-chose ici. Hein. Si ça s'approche de nous, ça va se faire canarder dans tous les sens. Et maintenant... Ah, il y a de l'ennemi, il y a de l'ennemi. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame, le para? Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est un ichthyosaure? Bon, c'est pas un ennemi, hein. Alors, la base, ok, on voit qu'il y a des plantes X. Je vois pas grand-chose d'autre, en vrai. Faudrait peut-être que je me rapproche un peu pour voir. What? What, 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 what? Eh non. Vous allez me louper. On peut slalomer. Ah non, on peut pas. What? Aïe. Aïe. Ok, 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 ok. Je me casse, je me casse. On va bombarder tout ça. Allez. Des gros dégâts. What? Zéro? Rien? Wallou? Kuchi? Nada? Je suis peut-être trop proche? Trop loin? Je sais pas. Mais quoi? C'est pas très précis ce machin. Hein. Et ça là? Bah je pense que... Si je fais ça là... Je vois même pas où elle part la flèche. Mais
non, mais c'est pas possible, ça peut pas merder comme ça. Le génie du mal. On va y aller avec ce qu'on connaît le plus. Hein. Voilà. Bah. Et du coup, ça a fait des dégâts sur quoi? La cabine, elle est presque détruite. En revanche, les plantes X et tout, pas grand-chose. Hein. Et la balise, là, j'arrive pas à l'utiliser du tout. Je vois pas s'il faut tirer en haut, en bas. Si je tire trop haut, si je tire pas assez haut. Ah, j'ai touché, là. 210. Ok, ok. J'arrive. Je touche. 600. Et là, je touche la plante X. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est très difficile. 600, c'était la plante X, hein. Ouais. Pour moi, la plante X, elle régène à chaque fois. Ok, c'est pas si mal que ça, en fait. Faut viser un peu en dessous. Encore un peu. Ouais, c'est dur à utiliser, hein. Attends, j'ai le para qui détecte des ennemis, là. Ouais, c'est dans l'eau, ok. Le génie du mal. Finalement, s'en sort. 210. Un peu trop haut. Encore un peu trop haut. Encore un peu trop haut. Encore un peu trop haut. 600. 600. 210. Pourquoi? 600. Une plantique sans moins. Un peu plus à gauche, du coup. Ouais, non, c'est fort, hein. Une autre Plantix, un peu plus à gauche cette fois-ci pour de vrai. Je l'ai détruit la Plantix là? Ouais, il en reste plus qu'une je crois. Il en reste plus qu'une de ce côté. Ok. Elle est ici. Visons ici. Paf! Un tout petit peu plus bas. Un tout petit peu plus bas. Un tout petit peu plus bas. 600! 600! 600! Elle est morte. Alors là-bas, il y en a une là-bas aussi. Normalement, si je vise là, je vais la toucher. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Bah, j'ai compris, ça y est. Ok, je crois qu'il n'y a plus de Plantix. Ah si, il en reste une ici. Ok, la Plantix, elle est là. On la voit là. Paf. Ouais, t'as raison, le para. Là, je suis aligné, je pense. Avec le canon. Et ça va la dégommer. Paf. Paf. Ouais, je suis vraiment trop chaud au canon. C'est incroyable. Il n'y a plus la Plantix. Ok, bah, je pense qu'on peut y aller, hein. On va aller checker ça. Je vais mettre une petite flèche explosive. Ça sera quand même beaucoup plus efficace. Hein. Pas vous mentir, j'ai essayé de faire un truc stylé, mais je pense qu'à la flèche explosive, on est mieux. Hein. Oui, c'est un peu mieux. Mais c'est un peu cheaté d'ailleurs. Hein. What? Ah merde! Encore une plante X! T'es ça! Qu'est-ce qui me strame? Ah, ça, j'étais pas prêt là. Il y en a deux à l'intérieur? Ok. En vrai, t'es pas protégé de ouf cette base. Hein. Je pense que je vais les dégommer comme ça, ça va être plus simple. Oh, ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Peut-être un peu trop même. Le cul du justicier. T'as dit tes derniers mots. Tes dernières bafouilles. Voilà, il n'y a plus de plantique, alors il y a quoi là? Ouais, ça je prends, j'en ai besoin chez moi. Quoique non, c'est bon, on s'en fout. On va ouvrir en grand. Voilà. Il y a plein de trucs là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus aucune défense, je crois. Hein. Heya, heya, heya. Heya, heya, heya. Heya, heya, heya. Ouais, bon, le parasant il fait que détecter des ennemis, mais ça a pas l'air si grave que ça. Ouais, c'est un raid-off. Le cul n'est pas là. Est-ce qu'il y a son corps quelque part? Ah non, il est pas ici, le bougre. Il est pas là. Est-ce qu'il est. Il serait pas là-dedans, là? Open up! FBI! Non, y'a rien ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Mais c'est ouvert, tout est ouvert. Eh, merci, hein, pas cassé. Je reconnais le cul nu. Ne jamais condamner les coffres et tout ça. Sinon, on vous casse tout. Bon, je vais prendre ça. Oh, tiens, un œuf de Wyvern. Incroyable. Oui, hop, level 4. Ok, y'a quoi? Œuf fécondé de Deino. Ouais, je prends. Œuf de Terry, ok. La viande, je vais prendre. Je suis toujours en galère de viande. Flèche tranquillisante améliorée. Bon, moi, je m'en fous un peu. J'ai fini tout ce qui est tam et tout. Y'a quoi d'autre là? On peut tout prendre. Ouais, bon, après, là, ça, c'est des ressources. Moi, je m'en fous un peu. Ouais, y a énormément de... Ah, mais je sais ce que je vais faire. Eh ouais, mais pourquoi je m'embête? On va tout prendre. C'est le cul nu. On va le mettre à terre, le bougre. Bon, je vais tout mettre dans l'argile. Ça va être un peu le bordel, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais tout péter, hein. Je vais tout péter. Il y a hors de question que le cul nu reste sur ses deux pattes. On va lui en couper une. Directement. Coupons la patte de ce FDP. Oh, désolé, frérot. Rien ne doit rester.
Voilà, je pense que tout est cassé. Voilà, what? Cannabis dryer, c'est quoi ça? Le cunu est un drogué? À mort, la drogue c'est mal, je me suis tiré dans la gueule. Y'a quoi là? Y'a que dalle. Ça a combien de PV ça machin? 27 000. Ouais non c'est bon, c'est trop chiant. Ah putain mais là y'a tous les coffres et tout aussi, c'est vrai. Là y'a quoi? Y'a rien. Là y'a quoi? Y'a rien. Là y'a quoi? Ouh. C'est un peu de la merde. Rien ne m'intéresse ici. Là y'a quoi? Rien. Là y'a quoi? Y'a du bois, ok. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Mais y'a rien dans cette base. Ça a des fumes. Ah. Ouh. Ouh. Eh mais là y'a pas mal de trucs là. Ah oui. Des balles. Ah ouais ouais ouais. Ça, là on se régale. Là c'est ralasslant. Il y a plein de trucs. Bon je prends tout. Hein. Là je prends tout. Je prends tout ce qui est intéressant. Oh bah il y en a des bons là. Attends, je vais mettre ça ici direct. C'est à moi. Le pistolet, la pioche, nickel. Les arcs. Oh bon les arcs c'est un peu de la merde. Un arc compo. Alors ça c'est quoi ça? Cave Wolf. Bon je prends, c'est quoi? Denonichu, c'est incroyable. Maywing. Je prends. Mégalosaur, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est puissant. Parasaur, ok. Fiomia. Ouais. Terra, c'est des Terra ça, je prends aussi. T-Rex. Je prends les T-Rex. Ah, il y avait un rhinocéros laineux, non? Rhinocéros. Trike. Vélonazor. Ouais, oh, c'est de la merde aussi. Hein. Ok. Là, il y a quoi là? What? Oh non, ici c'est intéressant là. Ça, je le prends. What the fuck? Ici c'est le jackpot. Y'a quoi d'autre? Là-dedans y'avait rien non? Ouais, c'est que des matériaux de construction. What? Y'a tellement de stuff en vrai. Incroyable. Ouh, une arbalète 140. Ok. Énergie. Des balles. Bon, ça on s'en fout. Bronto. Des bronto, des balles encore. Ah, l'habit du cunu. Regardez ça. Femelle d'aérodon, on prend. Griffon. Oh, des griffons, c'est bien ça. Mais ouais, t'as tellement de trucs. Ouais, je prends tout ici aussi, là. Ah, des Shadowman. Ah, on prend les Shadowman. Ouais, ça... Filet net. Allez, je prends aussi. La pioche, je prends. Ouais, des T-Rex. Ouais, un taquet de T-Rex. Allez, on prend tout. Mais what the fuck. Ça, je prends aussi. C'est quoi, là? Thérésinosaure. Allez, on prend. Wyvern, level 100. What? Vas-y, je prends. Ok. On a fait le tour. Et là, il y a quoi, là? Il y a encore un truc. Ok, des pics, on s'en fout. Ok. Il est temps de détruire cette base que je ne saurais voir sans une autre forme de haine. Je sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Bon, en fait, c'est quoi? Je vais péter les coffres. Voilà. Ouais, je me suis encore tiré dans la gueule. Voilà, comme ça. Le reste, ça y reste. Je me suis encore tiré dans la gueule. Allez, ben on s'arrache. Voilà, tout simplement. Il y a tellement de stuff, hein. C'est incroyable. Je vais mettre une heure à ranger tout ça, c'est trop bien. Regardez tout ce qu'il y avait dans cette base. Elle était minuscule la base. Et il y avait tout ça quoi. Il y avait trois fois plus de trucs que dans l'autre base qui était énorme et super chiant à raid. Incroyable. Bref, bon, aïe. Bon, je pense qu'on a fait, le taf. Hein. Ça a été un raid qui a été plutôt rapide. Je trouve. Hein. On fait un petit peu le ménage comme ça là, histoire de rien laisser. Il y a quoi d'autre? Ici on casse tout à l'intérieur. Voilà, il reste plus rien. Nickel. Ouais, on a fait le taf, hein. Allez, on s'arrache. En vrai, le bateau, je vais pas vous le cacher. Je suis un peu déçu. En vrai, il y avait l'idée, non? On a atteint l'objectif de la série, c'est-à-dire trouver le cunu, même s'il était pas là. Il était pas là, quand même. Hein. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. On va le chercher, on va le trouver, et on va le tuer. Bonne chance.